Sky, dans cette vidéo, nous allons parler maintenant des colonnes. Voilà, colonne, c'est juste une colonne. Vous voyez, on a fait notre body center, mais ici, on va parler d'une colonne directement. Ok, on enlève d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, en fait, ici, on enlève seulement ligne et conteneur, et puis on met colonne. Ok. Voilà. Et dans colonne, qu'est-ce qu'il faut? On doit carrément enlever tout ce qui se trouve là comme Mitsubishi. Ok. Voilà. Et puis là, nous allons prendre les on crée Trojan. Ok. Dans les widgets Trojan là, on peut ajouter ce qu'on a ajouté là. Ok. Voilà, on enlève tout d'abord ça. Ok, on enlève aussi ceci. Ok, voilà, j'allais vous expliquer juste un peu ce que fait colonne. Ok, colonne lui essaie d'aligner plusieurs éléments en ligne comme ça, plusieurs éléments en ligne. Ok, donc dans container, on peut ajouter un child. Dans setter, on peut ajouter un child. Mais dans colonne, on ajoute le children. Donc, on ajoute des enfants. Ici, on ajoute un enfant. Ici, on ajoute un enfant. Mais ici, dans colonne, on ajoute des enfants. Donc, on peut mettre plein de choses ici à l'intérieur. J'ai dit plein de choses. Donc, par exemple, ici, j'ai une image. Je peux ajouter encore une autre image. Ok. Je peux ajouter encore une autre image. Et encore une autre image. Ok, je peux enregistrer comme ça. Et puis, vous voyez, les images s'enchaînent. Hein? Voilà, il y a une erreur déjà. Ok, voilà, les images s'enchaînent. Vous voyez, il y a plusieurs images. Je peux ajouter ici, par exemple, New Text. New Text. Ok, et j'écris là. Je suis un test, ok. Et puis je mets avec il j'enregistre. Okay. Vous voyez, les tests là. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Les colonnes ajoutent plusieurs éléments. C'est ce que vous devez retenir. Les colonnes, lui, il vient avec plusieurs éléments. Vous pouvez ajouter dans colonnes encore une histoire comme container, new container. Ok, attendez, new container. Ok, et puis dans container en question, on ajoute new child. Ça oui, new. On ajoute un child. Child. New. Image. Ok. J'enlève tout ça, désolé. Image point asset image. Ok, et là je récupère ça, je viens avec là. Voilà, donc vous allez vous rendre compte que il va carrément récupérer l'image ici en question et il l'affiche. Ok, je peux essayer d'enlever quelques images pour que ça tout ça s'affiche. Ok, voilà, j'enregistre. Voilà, vous voyez, la seconde image c'est celle-là. Ok, cette image là, quand j'enlève ça, le texte qui se trouve là par exemple, c'est les mains entre l'autre. Vous voyez, voilà. Maintenant j'ai montré carrément la différence entre un colon et un conteneur. Le conteneur tel qu'il est là, quand vous prenez le child là, vous l'ajoutez ici pour la seconde fois. Vous voyez, il ne passe pas, on l'accepte pas. Donc, on peut pas mettre des child dans un container. Et pourtant, ici, on peut en mettre comme on veut. Donc, c'est ça un peu la différence entre les containers et les. Ok, les containers et. Et les colons, voilà.
J'y arrive. Donc, il y a plusieurs éléments avec cette histoire de conteneur. Par exemple, main. Accès. Où? Non, c'est pas là. Il y a plusieurs éléments à rajouter dans les conteneurs. Par exemple, main. Act element. Ok. Là, on peut dire un act element star. Quand on met star, les choses vont commencer là au début. Donc, ça touche même notre app bar. Mais quand on dit par exemple point center, ok, vous allez voir que les choses ici vont se centrer au milieu. Donc, il y a certains petits mouvements là qu'on peut faire par rapport à tout ce qui est là comme Mitsubishi. Donc, il fallait juste essayer de faire la suite dans la lecture d'autres éléments. Ok.